quelqu'un est venu ici récemment. C'est ici que ma vie s'est écroulée. Quelqu'un y a construit un mémorial, qui ne devrait pas y être. Il serait là pour Rujek. Personne ne devrait honorer le serpent qui est à l'origine de ma terrible quête. La flèche de Rujek. C'est avec elle que j'ai rayé son nom de ma liste. La voilà sur le sol, oubliée. Quelqu'un a scellé cette salle. On sent toujours l'odeur du sang que j'y ai répandu. Un héros momifié. Pour la résurrection? Non. Celui qui a fait ça devait connaître la place de Rujek au sein de l'Ordre. Rujek ne mérite pas de sépulture. Mais ceci est une insulte. Ce tombeau est digne d'un pharaon. Celui qui a fait ça a profané cet endroit. Ce qui s'est passé après l'avoir tué. Cette salle m'a appris tout ce que je devais savoir. Cet endroit a marqué le début de ma quête, et la fin de Rujek. Et la flèche a servi pour les deux à la fois. Tout s'est assombri lorsque j'ai poignardé ce chien. Lorsque je suis revenu à moi, Rujek était mort. Le corps de Rujek aurait dû pourrir ici. Quelqu'un qui voulait le voir rejoindre la douade comme il se doit s'est occupé des cérémonies. Celui qui a inhumé Rujek a aussi laissé ce héron pour l'honorer dans l'autre monde, grâce à ce maudit symbole. Et si je dois en croire ces bougies, il est ensuite revenu rendre hommage à Rujek. Quoi qu'il en soit, je sais que le cœur de Rujek n'était pas là. Malgré ses marques de respect, ce chien souffre dans l'autre monde. Ce sanctuaire est l'œuvre de quelqu'un qui tenait à Rujek. C'est probablement le fait de sa maîtresse, Sophia. Elle a eu tort. Mais son dévouement est louable. Un jour, je serai jugé.